Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, en gros il y a ma mère et ma soeur aujourd'hui qui sont allées en ville. Et donc elles m'ont acheté des boucles d'oreilles qu'elles ont achetées à Claire's. Donc voilà. Il y en a trois. Donc voilà. Donc voilà. Et donc je suis en pyjama et j'ai les cheveux attachés. Et désolé s'il y a des voitures ou des gens qui passent ou des motos qui vont faire du bruit. C'est parce qu'en fait j'ai ouvert mes fenêtres et parce que j'ai besoin de la luminosité du jour. Et donc j'ai des mains mal vernies. Il y en a une qui est carrément pas vernie. Bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo je vais faire le Yumi Tag. Alors en gros si vous savez pas qu'est-ce que c'est le Yumi Tag, et ben le Yumi Tag c'est un tag qui a été inventé par le youtubeur Les Délires de Max. Et donc en gros il y a 15 questions sur la nourriture. Et vu que la nourriture j'adore ça, c'est mon domaine à moi. Bon bref, et donc du coup il y a 15 questions et je vais y répondre tout de suite. Donc première question, plutôt sucré ou salé? Alors moi je suis plutôt sucré parce que j'aime bien les bonbons et tout ça. Fuck la voiture. Voilà. Il y avait une voiture. Voilà, je sais pas comment je vais faire pour cacher le bruit parce que j'ai besoin de la lumière du jour. Du coup voilà, donc deuxième question, quelle est ta boisson préférée? Alors moi ma boisson préférée c'est là ici, c'est ma vie quoi ça. Donc troisième question, McDo, Burger King ou aucun des deux? Alors vu que j'ai jamais mangé au Burger King et que j'ai mangé que au McDo, et bien McDo, il n'y avait aucun des deux mais moi je... McDo. Donc quatrième question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies mangée? Alors je vais vous raconter une histoire après. Donc la chose la plus bizarre que j'ai mangée c'est les huîtres. Et donc un jour j'étais chez mon tonton, je crois que c'était pour, je sais plus pourquoi c'était. Bref, et donc en gros il y avait des huîtres. Donc on les a mangées et donc on m'a dit d'en manger une, mais moi j'avais trop peur de les goûter. Mais quand j'en ai mangé une, et puis j'avais l'impression qu'il y avait des petits cailloux dedans, enfin bref, je sais pas quoi. Et donc du coup j'ai recraché. Et quand il restait plus beaucoup de moules, et ben on aurait dit que... Mais les voitures là, vous en avez pas marre de passer, c'est bon. Depuis tout à l'heure vous passez pas et là dès que je tourne, oui vous êtes obligé de venir m'embêter, voilà. Oui, donc, et donc, en gros, il y avait une espèce de petit mille pattes qui se promenait dans le jus des huîtres. Boah, c'était dégueu. Et donc, ça m'a marqué à vie. Et je me suis dit, ah, plus jamais je ne mangerai d'huîtres de toute ma vie. Voilà. Bref. Donc, cinquième question. Quel est ton dessert préféré? Alors, mon dessert préféré, c'est les tartes aux fraises. J'adore cela. Donc, sixième question, quelle est la chose que tu détestes le plus manger? La chose que je déteste le plus manger, c'est les choux de Bruxelles. C'est dégoûtant. Je sais pas comment les gens ils font pour aimer ce genre de choses. On dirait, je sais pas quoi, mais c'est dégueu. C'est dégueu, point barre. Bref, donc septième question, plutôt chocolat noir, chocolat au lait ou blanc? Alors, je suis plutôt chocolat au lait. Ouais, donc c'était la septième question. Donc, huitième question, quels sont tes bonbons préférés? Alors, moi, mes bonbons préférés, c'est les schtroumpfs. Ah oui, un jour, j'avais pris mon argent de poche et on était parti au Leclerc avec mon père. Et donc, je m'étais acheté une poche de schtroumpfs. Et donc, j'avais partagé un petit peu avec ma soeur et tout ça, un petit peu avec tout le monde. Après, j'ai pris mon paquet de bonbons, je suis allée dans ma chambre, j'ai joué à la DS, et je me suis fini le paquet de bonbons. Résultat, j'ai pas mangé le soir et j'avais un mal de ventre de fou. Alors, la gourmandise est un mauvais défaut. Donc, mangez pas trop parce que. De bonbons. Parce que voilà. Donc. Neuvième question, si tu devais manger le même plat chaque jour, lequel choisirais-tu? Alors je choisirais les pizzas. Je sais pas pourquoi, parce que les pizzas c'est trop bon. Donc pizza.
Donc, dixième question, avec ou sans patates? Avec patates, je pense que les pizzas avec patates, ça doit pas être dégueu, hein. Donc, avec. Quelle est ton odeur préférée en cuisine? Alors, mon odeur préférée en cuisine, c'est genre quand on a fait un gâteau, qu'on met la pâte dans un moule et qu'on le fait cuire dans le four et qu'on ouvre le four après qu'il soit cuit et que l'odeur se répand partout dans la maison. C'est juste trop, trop parfait. Alors, douzième question, que sais-tu le mieux cuisiner? Je sais cuisiner des pâtes. Voilà, c'est la chose que je cuisine le mieux. Donc voilà. Aïe, je me suis explosé la main. Super! Quel amusement. Donc, 13e question. Quelle est la gourmandise dont tu ne peux pas te passer? Pour moi, une gourmandise, c'est soit des bonbons ou soit des gâteaux. Des gâteaux, des jolis gâteaux. La montre, là, ta bouche. Et il est 21h. Génial. Bon, il est 58, c'est bon, pour 2 minutes. Hein. Bref, il est 21h. Ouh, je tourne cette vidéo assez tard, je trouve. Bon, bref, il est 21h. Donc, du coup, quelle est ta gourmandise dont tu ne peux pas te passer? Bon, vu que la tarte à la fraise, je trouve que j'ai déjà dit. Et puis, on va dire que la gourmandise dont je ne peux pas me passer, c'est. Bon, je vais réfléchir. Bon, vu que j'arrivais pas à me décider, bon, on va dire que là, que ma gourmandise préférée, c'est les bonbons. Voilà. Donc, avant-dernière question. Plutôt café, thé ou chocolat chaud? Alors, déjà, je ne bois pas de café et je bois ni de thé. Donc, chocolat chaud. Et dernière question, as-tu déjà fait des mélanges culinaires bizarres? Alors oui, j'en ai déjà fait des très bizarres. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évitez les pouces rouges. Commente cette vidéo si par exemple toi aussi tu veux y répondre ou quelque chose dans le genre. Et abonne-toi, hein, partage aussi. Mais surtout, abonne-toi. Et donc, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde! Peace! Ah! Ok. Adieu.